Je suis avec vous, comme on dit, tous les jours, jusqu'à la fin du siècle. I am with you always, even until the end of the age. Cette parole est continue. À l'échelle de toutes les nations des disciples, le baptisme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. To make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even unto the end of the age. Amen. Bobby said, Amen. Hallelujah. I'm telling people I want to go out there and ask them to do a contract. Wait, this is. Amen, hallelujah. Today, let our hearts be free to come to look up into the church contract. Bon Dieu, appelez-nous. Bon Dieu, appelez-nous. Appelez ces paroles-là. Bon Dieu, appelez-nous. Évangélisez. Bon Dieu, appelez-nous. Allez faire des disciples. Et comment nous pouvons faire des disciples pour Bon Dieu? C'est de partir. Et je dis, je ne peux parler que sur les disciples, je ne peux parler alors qu'un Dieu particulier, sa bonté, vient de jeune, par le texte à la fin. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du siècle. Vous savez, ce que vous constatez, on a des bien-aimés. On a des portes, on a des amis que nous aimons. C'est bon. Et ça ne nous bagage pas du monde. On ne veut pas se parler du monde. Non. Nous parlons de pas tout du monde. Nous parlons de tout du monde. La raison pour laquelle on nous dit au fait qu'il meurt, nous parlons de tout. Nous t'appelons, nous t'appuyons, parce que ça va faire nous la peine d'être hypatie. On n'a pas les hommes pour toujours. On est, la Bible nous dit, on est voyageurs et passagers sur la terre. Nous sommes tous de la terre. Pour le plus puissant, on a toujours. Vous m'avez appuyé, cette passage, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du siècle. Je suis pas si tu sens seul en ce moment. Tu es en train de te faire un peu de respect, mais
Dieu, pour ceux qui croient en pardonner, pour ceux qui croient en croire, pour ceux qui croient en rencontre, pour ceux qui croient en pardon, pour ceux qui croient en
Dieu qui sont là avec moi. Alléluia. Amen. Tu as abandonné ici. Tu as fait un livre. Review. Even the grave. La confiance qu'on fait en vous toute la journée. Vous dans le tabou. A tout ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit. Il y a des ballons, mais il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout. Il n'a le pouvoir partout. Il n'a le pouvoir partout. Il n'a le pouvoir pour te dire. Mon Dieu, ta petite présence. La beauté de tes présences en l'homme. Oui, tu vas pour toi. Dieu est à Dieu. Alléluia. Dieu est à toi. Dieu est à toi. Dieu est à toi. Et les chiens mourus et l'enterrant. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée, et il revivit et se leva sur ses pieds. Comment dire, oui? Comment penser la vidéo? Thank you.
Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on
avait enterré à Rama dans sa ville. Oui. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Verset 11, la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme dit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Que vois-tu ? Mais que vois-tu ? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il ?» Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé de manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Alléluia. Comme vous avez dit, votre parole utilise votre enfant de Dieu. Ne change pas. Rien n'a changé. Nous connaissons l'histoire de Saül. Saül désobéissant. Saül n'a pas écouté. Saül a fait des crises. Saül. Ni
prophète dit parole, l'Esprit de Dieu le saisit. Il est venu de la vie de la vie de Dieu. Donc, on va voir. Donc, tout ce là tout ça, la vie de la vie de Dieu. La vie de Amen. Thank you.
down spiritual rule, a ground spiritual rule. But if I don't put it on, the former power is on the normal, maybe well, further than not maybe for a community to say, maybe normal, a nature, spiritual rule, it can go
À la vue du sang des Philistins, Saül fut saisi de crainte et d'un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'ouïe, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et vous irez la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant manquer? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi? S'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek la hauteur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et Saül 43.
nous dirons, nous, tes amis, si tu travailles, le feu, je serai là pour toi. Il est. Si tu marches dans la foi, et le feu, Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant tout. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je vais vous donner un peu de temps.
C'est pourquoi je vais t'adorer. Alléluia, parce que ça va être fait. Mais je dis que tu as dit, il y a quoi? Et tu connais le Seigneur lui-même. A une signale de nom, à la voix d'une expose, au son de la trompette, de Dieu, descendra du ciel, et le mort, à tout le monde, à Christ, ressuscitera tout le monde. Premièrement, de gagner. Pourquoi pas mieux? La vie passe même en habitant en tombeau ou terre, ou même si on ne peut pas être dans le monde, on ne peut pas être à du tout, mais on est à la famille. Je suis passé de tout. Je suis allé avec Je suis pas pour le jeu que je ne peux pas l'aider.
ou abîmez-vous, ou abandonnez-vous, parce que vous ne pouvez pas vous préserver pour vous. Parce que nous avons toujours pas nous désespérer pour votre cause et contre nous. Et nous demandons pitié. Continuez. Continuez à arriver vous. Continuez, Seigneur mon Dieu, de passer une tribulation par là. Mais pour toujours faire nous faire. Amen. En faiblesse. En mauvais cadeau. Nous n'y avons plus pour les sacrifices à terre. Écoutez, mon pays, ça dit comme le petit de la vie, mais c'est le Dieu qui est le Dieu. Papa, nous devons expérimenter. Alléluia. Nous devons faire une gloire à vous, papa. Pour nous, une gloire à la vie de l'idée. Nous ne devons pas faire des vies pour tout le monde. Même la mort est une joie. Nous devons faire des vies. Gloire à vous. Thank you.